Bonjour tout le monde, vous êtes toujours sur le vlog de Deux mailles ensemble, mais il me manque une maille. Je suis monomaille aujourd'hui. Claudie est en vacances le vendredi, puis on la fait pas descendre pour des vidéos. Puis hier, on n'a pas eu le temps de filmer. Elle m'a dit, faisant un solo aujourd'hui. Merci Claudie! Fait qu'aujourd'hui, j'ai une régisseur moi aussi en arrière, Lorraine, qui se trouve être mon acolyte du vendredi. Peut-être que vous allez l'entendre. Fait que aujourd'hui, je vous montre nos avancées de notre press flower call qu'on fait en commun. Et je vous explique les déboires que j'ai eus. Puis ensuite, je vous parle d'un autre projet que j'ai débuté avec les laines de la boutique. Donc, le press flower de Claudie est rendu ici. Comme ça. Et le mien, Claudie les fait avec les laines Estelle, double knit, dont je vous parle tantôt. Et le mien est ici. Lui, il est fait avec la couleur, ici, c'est du Mille Fiori. Puis, mes deux brins tenus ensemble pâles, c'est de la Cascade Héritage. La Héritage fine, puis un mohair soie, je vais finir pour le dire, de Prolana. Donc, on tricote tout le temps le même pattern ici. Ensuite, on tombe avec une grille de jacquard, pas de jacquard, c'est de la mosaïque. Une grille de mosaïque, on a une autre grille de mosaïque, une autre grille de mosaïque. Fait que là, nous, c'est le long qu'on fait, qu'on va rejoindre en rond. Et on avait décidé de se faire des montages provisoires pour pouvoir faire des graftings quand on va les rejoindre en rond. Et on va faire deux tours. Donc, mes déboires que j'ai eus, quand on s'est vu la dernière fois, je crois que je l'avais recommencé et j'étais rendue ici, où mon petit marqueur rose, parce que j'avais pas le bon échantillon. Et j'ai rattrapé Claudie! Nanananana! Fait que j'ai rattrapé Claudie, là, pas mal dans le... Il se tricote bien, puis c'est un motif répétitif, fait que tu finis par connaître vraiment bien ta charte à suivre. T'as pas bon, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas besoin de la suivre visuellement, assez que il vient un temps où ce qu'ils disent « répète ce motif-là pendant tant de fois ». Puis là, ben, faut que je compte mes motifs parce que je suis partie en grand. Fait qu'il va y avoir une autre charte à respecter, là, pour rééloigner les fleurs l'une de l'autre un peu plus haut. Fait qu'on est très content du résultat. Là, vraiment, le sien va être vraiment avec beaucoup plus de tonus. Il est pas raide, il ne tient pas debout, là. Il ne sera pas cartonné, là. Mais il est plus dense. Tandis que le mien, il va être, excusez les aiguilles, il va être vraiment plus mou. Mais il va être très chaud puis très beau aussi. Très doux. Chacun a ses goûts. Fait que là, ben, étant donné que Claudie n'est pas là, j'ai fouillé dans ses affaires. J'ai trouvé un croissant! Non, c'est son Sophie Charles que tu es en train de faire avec de la Beau Gentil et non de la Gentille. Je me posais la question tantôt, non? Puis là, ben, elle a eu. Elle a dit, j'ai échappé un... Ah, que je viens là. Elle a dit, j'ai une erreur dedans, faut que je le défasse. Ça paraît même pas. Sauf qu'elle a échappé une maille, ça ira pas bien. Fait qu'on a quelqu'un, ça sera pas long, on vous revient. Bon, je suis revenue et j'ai oublié ce que je vous disais. J'ai parlé de la Beau Gentil de Claudie qui tricote un Sophie's Charles qui est très doux. Désolée pour le son en arrière, plan, il y a un party l'autre côté, ou presque. Donc, il lui reste juste ça. Il va falloir qu'elle redétricote, qu'elle dit, pour ramasser sa maille qui a été échappée. Puis ensuite de ça, ben, elle va continuer, hein, qu'est-ce que tu veux. On va le voir dans le prochain vlog. Alors aujourd'hui, de mon côté, je vous montre, en fait, je vous mets une photo juste là. C'est une demande de ma fille qui me demande de lui tricoter, crocheter, une principe d'une courte pointe. C'est toutes des petits granny squares, oui, des granny squares tricotés, crochetés. Je vais finir par l'avoir.
Puis, j'ai décidé de prendre la Estelle Doublonite. Puis, je vous montre mes 7 couleurs. J'ai pas emmené les miennes parce que moi, ils sont toutes rendus bobinés. Okay. Ça, c'est mes 7 couleurs dans la Estelle Doublonite. Et c'est vraiment doux, fun à crocheter. C'est agréable sous les doigts. Et aujourd'hui, je vous dis, pourquoi c'est si important de faire un échantillon? Ben, je vous le montre. Estelle Doublonit nous dit d'utiliser soit les aiguilles ou les crochets de 4 mm. Donc, j'ai fait un test ici. J'ai un 4 mm. Mais c'est beaucoup trop large. Okay? C'est pas ce que je recherche. Là. Ça vient trop dans les... Il y a trop de trous. Là. C'est pas ce que je recherche. Fait 4 mm. Ensuite, j'ai dit, ben, je vais doubler ma laine. J'aime l'échantillon, mais ma foi du bon Dieu, ça va coûter une beurrée pour faire cette dite couverture. Être une passionnée de tricot, à un moment donné, on a toujours des limites à avoir. Ici, j'ai fait un puff. La différence, là, c'est que mon point puff était triple, puis après, vu que j'étais en double, j'ai tombé en point puff double. Fait qu'il est moins gros un peu, fait que c'est ce qui fait que j'ai un petit pouet-pouet, là. Mais c'était un échantillon. Okay? Fait que là, j'ai dit, il faut que je trouve ma façon de crocheter qui ne me coûtera pas un bras puis un autre. Fait que j'ai trouvé. J'ai les mêmes laines. Ici, j'ai les 7 couleurs dedans. Et je crochette en 2.5. J'ai vraiment le crochet lousse. OK? Mais c'est l'importance de faire un échantillon, même en crochet. Même si tu fais un sac. Parce que si tu ne fais pas ton échantillon, ton premier échantillon... Premièrement, si tu n'aimes pas ce que ça donne, ça va être un peu plate, même pour un sac. Fait que là, j'ai fait mon échantillon. Lui, il est bloqué. Et j'ai fait les deuxièmes sortes de carrés qu'il y a dedans, qui se trouvent être comme ça. Puis chaque couleur va en avoir des unis comme ça. Puis, il fallait que je trouve le même échantillon pour qu'ils soient tous égaux, là, ceux-là. Là. Et là, les autres sont bloqués, mais là, ils ont été placés dans mon sac à la va-vite. Ils ont un peu pris un mauvais pli. Je vais les rebloquer. Fait que ça, c'est la deuxième sorte de granit que je vais avoir. Fait que c'est vraiment important de faire l'échantillon. Peu importe, tricot, crochet, vous avez des motifs spéciaux à faire. Et faites votre échantillon. Faites votre échantillon à la jersey. En jersey, si vous avez du jersey dans votre patron, faites un échantillon du motif, mettons, de torsade. Si vous avez votre torsade à faire, parce que vous allez vous rendre compte que vos torsades vont faire rapetisser un petit peu. Tu sais, ça va bouger. Il y a des motifs de dentelle que, sur le coup, quand on fait l'échantillon, s'il n'est pas bloqué, elle est tout rabougrie, elle est toute pas belle. Puis un coup qui est bien bloqué est belle, mais à prendre l'expansion aussi. Fait que là, ton chandail, ça se pourrait qu'il soit un peu plus grand. C'est le même principe crochet et tricot. Fait que ceci étant dit, ça sera un petit vlog, étant donné que Claudie n'est pas là. C'était pour vous faire coucou, puis vous dire qu'on ne vous a pas oublié. Puis, qu'on est bien content que vous nous suivez. J'ai cru entendre, pas par les voisines, Claudie a dit que plus ça va, plus on a de vues. Puis, c'est très valorisant pour nous autres, là, t'sais. Puis, tu sais, Glenn Charlebourg, là, ben on est là, là, t'sais. Puis que le monde nous voit de plus en plus, puis que... On le voit aussi dans les commentaires, on le voit aussi dans les gens qui viennent en boutique et nous disent « j'ai vu les vidéos, puis là, ben, je voudrais essayer ça, puis ah, ça, c'est vraiment plaisant. » Tu sais, là, fait que je vous dis, là, on est sur la map. Hein, Claudie? On est sur la map. Fait que je vous laisse là pour cette semaine. La semaine prochaine, on va se reprendre pour quelque chose de plus gros. Puis, c'est ça. Soyez prudents sur les routes. Bye!